Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça. On m'a envoyé trois vidéos sur quelqu'un que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, contestataire. Moi, je pense que là, ça va trop loin, donc je vais balancer. Voilà, je vois que tout le monde fait ça, donc je vais le faire aussi. Je vais vous laisser arriver et partager ce live. Et je peux pas garder ces deux vidéos pour moi, c'est pas possible. C'est des vidéos qui sont un peu personnelles pour lui, mais tant pis. Je pense que ça va lui faire du mal, que ça va le salir. Mais tant pis. Je vais le faire ce soir. Bonsoir à tous, les amis de la page. Je vous demande de partager dès le début, à foison. Partager le plus possible. Et puis quand on sera assez sur le live, eh bien je vais vous balancer cette vidéo de ce contestataire très très connu. Très suivi sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît peut-être pas, mais énormément de monde le connaît. Eh bien, allons-y. On m'a envoyé cette vidéo. Je vais vous la diffuser. Vous allez être choqués. Je vous le dis. Vous allez être choqués. Je vous laisse partager. Je crois que c'est pas beaucoup partagé pour l'instant. Je vous laisse partager un max. Partagez le plus possible. Mettez un like. Faites ce qu'il faut pour que ça circule. Et puis quand on sera 1000, eh ben je vous fais voir cette vidéo. Donc ça va surprendre certains hein, que je fasse ça, parce que ce n'est pas dans mon habitude de balancer des choses qui pourraient nuire à la vie d'autrui, salir. Mais bon, voilà balancer. Salut tout le monde. Je vous laisse partager un max. Appuyez sur ce petit bouton partage. Mettez-le, balancez-le partout. Partout, comme ça. On est 1000 en quelques secondes cette fois-ci. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Et je vais être honnête avec vous. Premièrement, je remercie tous les gens de la page. Parce que je viens de voir quelques commentaires passer et vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort en soi sur les choses. On est arrivé dans une société aujourd'hui, et vous verrez, je veux démontrer aux gens de la page que ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Continuez de partager un max, s'il vous plaît, pour balancer cette vidéo. Vous verrez, vous regarderez demain combien de vues aura fait ce live. J'ai aucune vidéo à vous balancer. J'en ai des vidéos parce qu'on m'envoie plein de choses. J'ai rien à balancer, je fais pas partie de cette com-là, moi. Mais j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de ça pour détruire son prochain, pour diviser tout le monde. Parce qu'on va arrêter de se mentir. Quand tu parles de quelqu'un qui a un peu de visibilité, bah si tu parles de lui pour le critiquer, ça fait des vues. Ça fait des vues, c'est la société d'aujourd'hui. Alors qu'on a un vrai combat à mener, sincèrement. Je vous en veux pas aux personnes de la page, absolument pas. Mais vous verrez que ce live va circuler un petit peu partout. Et puis, demain, il aura fait des vues. Parce qu'il y a des gens qui vont être là à attendre. Qu'est-ce qu'on pourrait balancer sur son voisin? Qu'est-ce qu'on pourrait balancer sur son voisin contestataire? Et je vois beaucoup de lives en ce moment, de beaucoup de personnes qui parlent sur moi ou sur d'autres. Hein. Eh bien, j'appelle ça des putes à buzz. Je vous le dis très honnêtement. Désolé pour ce terme vulgaire. J'appelle ça des putes à buzz. Ils essayent d'instrumentaliser, d'inventer, ils connaissent pas les histoires, ils en savent rien et ça raconte tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont malades. Je vous le dis très honnêtement. Je l'ai déjà démontré ce que je viens de vous faire sur TikTok il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Comme par hasard, la vidéo a fait 1 million de vues. 1 million, imaginez-vous. Voilà où on en est aujourd'hui. On en est là. Je vous jure, on en est là, mes amis. Je sais qu'il y a plein de gens de la page qui en sont conscients. Ils en sont conscients. On a de la chance, vraiment la chance d'avoir une très belle page. Hop, tac, voilà. Voilà. On va jouer avec les carottes, toi. François, tu sauras quoi faire. On en est là, en fait. Au lieu de se concentrer sur un vrai combat, parce qu'il y a un vrai combat à mener, vous le savez, à travers toutes les informations que vous passez tout au long de l'année, depuis des années, c'est grâce à vous que les informations y passent. Moi, je suis assez content parce que je regardais les commentaires. J'ai analysé un petit peu ces deux, trois derniers jours, vos commentaires et ce qui est dit sur la page, et je trouve qu'on a une page saine. Je vous le dis très honnêtement. Je trouve qu'on a vraiment une page saine. Et ce soir, je voulais vous dire merci.
Merci, 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 merci. Mais s'il vous plaît, si des gens sont abonnés à des pages qui sont juste là pour aller détruire des êtres humains ou des contestataires à côté, qui passent leur temps, en fait, à aller diffamer des individus, peu importe lesquels, bloquez-les, cassez-vous de ce genre de pages. Ça ne nous sert à rien du tout. À rien. C'est des gens qui se permettent de parler alors qu'ils savent pas au quotidien. Et je vous jure que c'est en train de nous détruire. Il y a des gens qui n'ont pas cette importance des choses. Je vous jure que c'est important. Parce que ça sème de la division, de que de la merde, que de la merde. Il y a des gens qui pensent que leur page, en fait, ils sont devenus le tribunal des réseaux sociaux. Franchement, ils me font doucement rien. Doucement rien. Ils se prennent pour des juges. Ils savent pas, ils connaissent pas, alors, ils montrent jamais rien. Mais d'abord, ils ont rien à montrer. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On n'a pas un vrai problème à combattre aujourd'hui. Sincèrement. Et je sais que beaucoup de gens seront d'accord sur la page. Et moi, je vous remercie, franchement. Je remercie tous les gens de la page. Je vous remercie énormément. Parce que je vois tous ces gens qui sont contre tout ça, en fait. Et d'ailleurs, en fonction des personnes qui tiennent les pages, je vais pas vous mentir, hein, ça dessine aussi les personnes qui sont abonnées à ces pages. Très honnêtement. Très, très honnêtement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, beaucoup de citoyens se sont perdus. Ils se sont totalement perdus. On n'est plus dans le combat contre un gouvernement ou contre des décisions gouvernementales qui nous oppressent, qui nous enlèvent nos libertés, pour nos enfants, pour notre pouvoir d'achat. Non, ça, ça fait plus assez de vues pour eux. Ou alors peut-être qu'ils savent pas en parler ou je sais pas. Hein. Donc ils préfèrent faire des lives sur Pierre, machin, bidule, sur des gens qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux. Sincèrement, et c'est triste. Et aujourd'hui, on sent bien, hein, un peu moins sur Facebook, beaucoup sur TikTok, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On sent ce réseau qui est gangréné, en fait, complètement gangréné à travers l'insulte, la délation, la critique, l'invention, enfin, tout ce qu'on peut y voir. Moi, je vais vous faire une réflexion, ouais. Des fois, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est pourtant la vérité. Je me rends compte des jours que si je faisais un live et qu'on faisait 1000 vues avec la page, personne parlerait d'Olive Olive. Mais vous pourriez mettre une autre personne à côté, ça serait exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est fou quand même, la méchanceté de certaines personnes. Alors je me pose une question et je terminerai ce live là-dessus. Pourquoi des personnes en sont arrivées là? Pourquoi réagissent-ils comme ça? Cherche pas à les excuser, mais cherche à comprendre, en fait. Franchement, je cherche à comprendre. Parce qu'il y a forcément quelque chose derrière tout ça. La manipulation intellectuelle, peut-être. Je sais pas. Beaucoup de manipulation. Mais j'ai l'impression que plus les gens sont dans la souffrance, dans le désarroi le plus total, bah peut-être que certaines personnes ressentent le besoin d'aller crier leur haine et d'aller faire du mal à d'autres personnes parce que eux-mêmes sont mal. Sincèrement. Sincèrement. Je trouve ça triste. Vraiment, vraiment, vraiment triste. Bah vous voyez, ce soir, j'avais juste envie de vous dire ça. Juste envie de vous dire ça. Et juste envie de vous dire de passer à tous une belle soirée. Demain, c'est la fête des pères. Passez du temps avec vos gosses. Sincèrement. Moi, j'ai la chance d'avoir ma fille avec moi pour la fête des pères. Prenez du temps avec vos enfants, c'est super important. Prenez du temps avec vos amis, c'est super important. Vraiment important. Même si c'est dur, si c'est compliqué. Essayez. C'est super, super, super important. Je vous embrasse, les amis. On regardera les résultats de demain, si je me suis trompé ou pas. Ça sera facile à voir. On regardera si ce live va marcher ou pas. Après, un peu plus compliqué, parce que je sais que il y a beaucoup de belles personnes sur la page et dès le début, ils ne seraient pas tombés dans le panneau. Je vous embrasse, les amis.